Welcome back. So, from ice cream makers, thanks, Jim, to weaponry. Now, what have we got today, Clive? Well, today we have got the villain's favourite. A veteran of more than 75 wars, it's the AK-47 assault rifle. Now, Sue, come over here. Let me show you this in its full splendour. Here it is. Beautiful. Now, we have 10,000 of these to sell today. The phone lines are open, folks, so give us a call, and if you call within the hour, there's a free gift with every purchase. A year's worth of free ammunition. Now, if you are sitting at home and thinking, is an assault rifle difficult to use, then you need not worry. What do you think child soldiers are using in the likes of Liberia and the Democratic Republic of Congo? Not one of these. They are. They're using AK-47s, right? Well, I tell you what, we've got Sam in the studio now, haven't we? And he's going to do a demo. OK, Sam, so in your own time, whenever you're ready. Wow, that is seriously impressive. Mm. Now, if you like what you've just seen there, then get phoning. I personally think that is very, very impressive. Mm. Bienvenue dans la face obscure de la mondialisation. Le commerce des armes. 700 millions d'armes légères en circulation. 14 milliards de balles produites chaque année. Deux pour chaque être humain. Une production exponentielle. Un commerce opaque. Étranger à toute considération morale. Les armes équipent les milices, permettent les crimes de guerre, les viols, les soumissions des populations par les dictatures, l'écroulement de sociétés entières, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie. Enquêter sur le commerce des armes, c'est forcément poser les questions qui dérangent. Pourquoi la France continue-t-elle d'armer la République de Guinée malgré les massacres de civils ? Pourquoi les intermédiaires ou trafiquants échappent-ils si facilement à la justice internationale ? D'où viennent les milliers d'armes qui violent l'embargo en République démocratique du Congo, malgré 4 millions de morts en 10 ans? Et pourquoi seuls les États-Unis s'opposent-ils à un projet de traité mondial sur le commerce des armes? We do not support the promotion of international advocacy activity by international or non-governmental organizations. Ces questions sont aussi posées par une coalition de citoyens et d'ONG ayant décidé de réveiller la communauté internationale et de contrôler le commerce des armes. Des rêveurs, des naïfs, pas vraiment. Ce réseau citoyen utilise des moyens d'enquête dignes des services secrets pour révéler les trafics et désigner publiquement les gouvernements irresponsables. Ils ont accepté de nous dévoiler une partie de leur méthode. Nous avons suivi la piste des armes, un voyage qui nous a menés sur la trace des trafiquants, au cœur du conflit le plus meurtrier de la planète, en Afrique. Mais aussi dans une guerre plus feutrée, à l'ONU, où les ONG ont convaincu 153 pays de rédiger un traité international que quelques nations tentent de bloquer. Citoyens contre marchands d'armes. Histoire d'une bataille planétaire.